Bonjour tout le monde! Ça va bien? Amir est ici. Amir! En fait, Amir qui, bon, des fois, de temps en temps, lance des souliers, apostrophe Henri-Paul Rousseau, durant l'automne nous dit, j'espère que tout le monde l'a fait dans la salle, là, les amis, le bon docteur Kadir veut que vous alliez vous faire vacciner. Non. Et depuis ce temps-là, ben, le temps passe, Amir travaille. D'ailleurs, j'ai cru remarquer, moi qui le fréquente quand même d'assez près, que les cheveux tout doucement grisonnent un petit peu. Il y a un petit quelque chose qui se passe là qui fait qu'Amir, il vieillit un petit peu. Mais attention, il séduit encore. Non seulement Nima et ses trois filles, mais Jean-François Lisée, figurez-vous qu'il l'a nommé recrue de l'année cette semaine. Michel David, dans Le Devoir, ce matin, qui lui donne B. Moi, je trouve qu'il aurait dû aller à A, là. Mais en tout cas, à B, c'est déjà pas si mal. Et il dit quelque chose de beau, tout de même, c'est qu'Amir a su gagner le cœur des Québécois par sa sincérité et sa conviction. C'est beau, quand même! Vous savez, sincérité et conviction, moi j'aurais envie de dire que c'est ce qui caractérise en même temps l'ensemble des militantes, des militants, des ex-candidats, des prochains candidates et candidats de Québec solidaire et que tout ce monde-là travaille très fort. Pourquoi est-ce qu'on travaille si fort? Mais on travaille si fort parce qu'on a des idées à défendre. Un parti politique, c'est ça. On est un parti d'idées, on n'en manque pas, ça c'est pas un problème. On fait des propositions, on dit aux gens, vous savez, c'est pas obligatoire que ça se passe comme ce que vous voyez à la télé, puis je répéterai pas, ça serait si long de tout ce qu'on voit qu'il n'y a pas de bon sens. Vous savez, c'est possible là, d'être écologiste, féministe, de gauche, souverainiste, indépendantiste, tout ça c'est possible, et c'est Québec solidaire. Alors Pierre Boileau est non seulement un organisateur électoral hors pair, mais aussi un artisan. À ses heures perdues, et il a donc préparé une petite statuette que nous allons vous montrer tout de suite et que nous allons bien sûr octroyer à Amir. Et cette statuette-là, vous voyez où nous voulons rire, n'est-ce pas? Alors cette statuette-là représente un peu ce que nous pensons d'Amir. Bien sûr, avec ça, il va pouvoir nettoyer l'Assemblée nationale. Bien sûr, ça représente un peu ce qu'Amir veut faire, représenter, bien sûr, les intérêts des travailleurs, des travailleuses. Mais en même temps, ça représente un peu pour nous ce qu'est Amir. Hein? Un homme de science, mais aussi un homme un peu impulsif, n'est-ce pas? Un poète, un rebelle, un homme pondéré, mais finalement, un homme tellement attachant, Amir. Alors, nous lui remettons aussi une plaque. Alors, au nom de l'Association des membres de Québec solidaire de Mercier, nous rendons hommage à Amir Kadir, comme vous le savez, meilleur lanceur de 2009 et nous espérons de 2010 aussi. Amir Kadir! Que dire? D'abord, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi qu'une telle chose n'est pas vraiment lancée, ni même dansée. Mais peut-être, comme disait Yann tout à l'heure, pour chausser ses souliers-là, chausser pour marcher pour la liberté. Alors j'espère que nous serons tous chaussés un jour. Du plus solide de ses souliers pour faire ce qu'on a à faire. On fait, je pense, on a commencé un beau travail. Il n'y a pas seulement il y a 3 ans la Fondation Québec solidaire, mais déjà depuis si longtemps, depuis au moins 10 ans avec ce cycle ininterrompu de tentatives de bâtir quelque chose. Je sais que Paul Klisch est parmi nous ce soir. Alors, la victoire, il y a un an, c'est aussi la victoire de Paul.
victoire il y a un an, c'est aussi la victoire de tous ces artistes, parce que je pense qu'il faut les nommer, qui tout au cours de ces années nous ont appuyés avec la plus grande des sincérités, le plus grand des courages aussi. Quelques heures après notre victoire, Richard Desjardins a eu ces mots qui ont été laissés sur un répondeur quelconque dans notre univers militant. Au creux de cette nuit si noire qu'on en vient même à croire qu'elle ne finira jamais, ils sont bienvenus, ces porteurs d'éclairs qui illuminent nos prairies fertiles et nos sentiers oubliés. Et là, j'aimerais dire que faut qu'on soit foutument bien préparé. Parce que c'est sûr que là, on alimente beaucoup d'attentes. Je pense que notre voix porte de plus en plus. Et ce n'est pas le résultat de cette année passée à l'Assemblée nationale, c'est une cumulation. Moi, je n'ai pas besoin de faire le travail que font le service de recherche de plusieurs de ces partis, parce que sur la plupart des enjeux les plus brûlants, les plus importants qui nous viennent tous les jours, à l'avant-scène, le parti a déjà fait un travail depuis des années qu'on a bâti d'abord les plateformes, ensuite ben, on est en plein dedans avec le programme qu'on est en train de construire, mais dans les enjeux et dans les luttes que nous avons menées, que dans nos rangs, les militants et les militantes, même avant l'existence de Québec solidaire, de l'UFP, ont mené, on a énormément d'idées pour me nourrir. Moi, c'est vraiment très facile. Les gens de l'autre côté, là, s'imaginent des tas de choses, mais en tout cas, la tâche est rendue facile parce que on a des idées effectivement en hauteur. Moi, j'aimerais, contrairement à ce qui a été allégué ici, d'y aller juste en équipe la prochaine fois, j'ose espérer que peut-être on arrivera même un peu, pas très, très longtemps, peut-être même avant les prochaines élections, à penser l'opposition officielle, à penser pourquoi pas le pouvoir, pourquoi être 5 quand on peut être 63, hein? Et en tout cas, il est seul. Là, j'entends des bruits, vous n'êtes pas certain? Bon, ça c'était l'introduction. Comme vous voyez, je mets du stock. Vous souhaitez